dois dire merci à tous les présentateurs et merci à Emmanuel de m'avoir donné cette opportunité et merci à tous les panélistes qui ont bien voulu nous donner ce qu'ils ont et qui ont pris le temps pour nous faire ces préparations et nous les rendre. Je crois qu'ils vont les compléter et en jouant au jeu de questions-réponses. Emmanuel, je te remets la parole. Merci beaucoup, professeur Atedjo. Merci à tous les panélistes et merci à tous les participants parce qu'on est déjà un peu au-delà du temps qui était imparti et on a bien nos panélistes qui sont toujours avec nous. Je dois dire que si on n'a pas réussi à satisfaire aux attentes de tout le monde en matière d'information, ce n'est que partie remise parce que aujourd'hui on a essayé de toucher un peu de tout. C'est très difficile de pouvoir traiter des informations relatives à une maladie comme celle-ci en seulement 2 heures de temps. Dimanche prochain, on va se pencher uniquement sur le vaccin. Et puis après, le dimanche suivant, sur la prévention. Et puis après, on prendra la prise en charge des malades. Et d'autres webinaires vont se focus sur d'autres maladies parce qu'il n'y a pas que le COVID. Donc, si on n'a pas le temps aujourd'hui de répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, posez vos questions sur le chat. Vous pouvez aussi nous les envoyer par email et bien sûr dans nos différents forums, que ce soit dans le groupe Le Grain ou à Limbo, vous pouvez aussi poser vos questions. On répondra à toutes ces questions au fur et à mesure qu'on passera d'un sujet à un autre. Donc, certains de nos collègues vont revenir pour pouvoir élaborer avec plus de détails certains de ces aspects, déjà en commençant par le vaccin dimanche prochain. Ceci dit, on va commencer par les questions qui ont été posées dans le forum. Mais pour commencer, peut-être que je vais un peu permettre à tout le monde d'ouvrir les micros. Mais si vous pouvez essayer de rester, fermer votre micro si vous ne parlez pas, je pense que cela serait très bien. Donc là, je pense que chacun pourra donc à partir de maintenant enlever, ouvrir son micro si vous le voulez. Mais pour commencer, donnons déjà la priorité à ceux qui ont posé des questions dans le forum. J'essaie de lire ces questions. Je parcours pour trouver la première question. Beaucoup de réactions des participants. Merci à tout le monde. Il y a un commentaire qui demande qu'on donne des références. On y a pensé, à la fin de ce webinaire, on va vous donner certaines références, mais les présentations qui ont été faites vont aussi vous être envoyées. On va utiliser les réseaux sociaux pour pouvoir vous permettre d'y accéder et je pense que là où il faut, on va s'arranger à introduire des références avant que ce ne soit publié. Il y a beaucoup de remerciements pour Yolande et Valentine par rapport à leur présentation. Et puis, il y a cette question d'Alex Genfak. Bonjour, Alex. Alex est un collègue, il nous rejoint depuis le Mozambique où il travaille pour le CDC. Sa question est de savoir si l'infection au VIH a été établie comme un facteur de risque au COVID-19. Et cette question m'est adressée. Donc, rapidement, pour répondre à cette question, au début de la pandémie, à cause du caractère immunodépressant de l'infection à VIH, on a pensé que si quelqu'un avait une immunité déprimée, cette personne serait automatiquement plus susceptible ou plus vulnérable si la personne est exposée et attrape le SARS-CoV-2. Ce qui est intéressant, c'est que les données n'ont pas vérifié cette hypothèse. On se rend compte que, en réalité, lorsqu'on compare les malades atteints du VIH et ceux qui ne sont pas atteints du VIH, on ne trouve pas de différence par rapport à ceux qui font des cas graves de maladie dans les deux groupes. Par contre, on se rend compte que lorsque vous êtes atteint du VIH et si vous êtes très bien
sous contrôle de votre maladie. Vous prenez vos antirétroviraux et votre maladie est sous contrôle. Vous avez pratiquement les mêmes susceptibilités qu'une personne qui n'est pas atteinte du VIH. Donc, la réponse est que le VIH, jusqu'ici, on n'a pas de données pour dire que le virus du VIH en lui-même, actuellement, vous permet d'être plus susceptible de faire de formes graves du COVID. Mais si votre maladie du VIH n'est pas bien contrôlée, vous allez forcément faire des maladies opportunistes, parmi lesquelles la tuberculose. Or, la tuberculose est un des facteurs de risque du SARS-CoV-2. Donc, ce qui veut dire que c'est nuancé, la réponse ici, il faut différencier ceux qui sont atteints du VIH et qui ont une très bonne prise en charge et qui suivent très bien leur traitement, et ceux qui sont atteints du VIH et qui ne suivent pas leur traitement. On trouve dans la littérature une différence par rapport à la susceptibilité et à la vulnérabilité au COVID-19. La prochaine question, c'est comment avec une telle précision, ça vient de Innocent, comment avec une telle précision du test positif, nous avons eu le scandale d'hier avec les tests des joueurs congolais. Je suppose qu'elle m'est adressée parce que j'ai présenté les tests. Nous allons revenir sur les tests. Je dois dire que pour le moment, c'est difficile de répondre à cette question parce que nous ne connaissons pas encore exactement ce qui s'est passé par rapport à ce scandale des tests congolais. Nous ne savons pas quels tests ont été faits, quels ont été les résultats. Après, on a dit que les résultats étaient différents de ce qui avait été premièrement publié. Est-ce que d'abord l'information est vraie? Comme Roger a posé la question lors de sa présentation. Donc, nous allons garder cette question en réserve. Nous allons investiguer et on vous reviendra avec une réponse bien plus précise lorsqu'on aura une bonne connaissance des faits et aussi du contexte dans lequel toutes ces informations ont été divulguées sur les réseaux sociaux. La prochaine question sur le chat, c'est si je peux me permettre, je dirais ce qu'il faut mettre un peu de source. J'ai déjà abordé ça. On va donner les références. Peut-on parler d'un impact positif de la médecine dite traditionnelle dans la prise en charge, voire la guérison des maladies de la COVID-19? Je vais adresser cette question à professeur Anastase Zoudieu. Alors, Anastase, est-ce que la médecine traditionnelle vous a aidé à prendre en charge les malades atteints du COVID au Cameroun? Anastase, je ne sais pas si ton micro est ouvert. Je vérifie. Peut-être qu'on a perdu. Non. Anastase, essaie de débloquer ton micro là maintenant pour voir. Oui, donc, merci là. Ça fait plaisir. En fait, j'étais en train d'essayer d'activer le micro et ça ne passait pas. Est-ce que la médecine traditionnelle a pu nous aider? Vraiment, c'est une question à laquelle je serais très réservé. Mais mon avis personnel, c'est qu'il faut voir un certain nombre de choses qui se sont passées du côté des fake news. Pourquoi je dirais du côté des fake news? Parce qu'en réalité, nous n'avons eu la preuve de rien de précis. Il y a eu beaucoup de personnes qui sont prononcées comme ayant des traitements efficaces, mais il n'y avait vraiment aucune preuve scientifique. Aucun de ces médicaments-là n'a été testé de manière à ce qu'on puisse affirmer formellement leur efficacité. Donc, du coup, c'est difficile de se prononcer. Moi, je pense que ce qu'on a vécu avec le COVID, c'était peut-être 100 fois ce qu'on a vécu avec le VIH. Alors, beaucoup d'entre nous étions à leurs premières années de médecine et nous avons vu comme ça pas mal de médecins traditionnels qui disaient au quartier qu'ils soignaient le VIH jusqu'au jour où ils étaient eux-mêmes infectés par le VIH. Et ils passaient un peu, ils venaient un peu très discrètement à l'hôpital pour prendre leurs médicaments. Et malheureusement, on a eu des praticiens qui sont morts du COVID-19 aussi.
Naturellement, ça ne veut pas dire que s'il ne faisait pas la médecine traditionnelle, il ne serait pas mort. Mais je veux simplement dire que nous n'avons eu aucune preuve scientifique pour l'instant. Et du coup, pour moi, comme scientifique, je reste très réservé quant à l'efficacité de ces médicaments. Et il y a une deuxième partie de cette question qui parle de est-ce que cela a un impact par rapport à la situation du Cameroun actuel par rapport au COVID. Je vais passer cette question à Christelle qui a parlé de la prévention et qui nous a parlé un peu de l'aspect du package, paquet d'intervention qu'il faut prendre en compte pour pouvoir avoir un impact. Christelle? Excuse-moi, Emmanuel, je n'ai pas compris la question. Peux-tu répéter, s'il te plaît? La question est de savoir est-ce que les médicaments traditionnels au Cameroun ont un impact par rapport à la situation du COVID actuel. Tu es sûr que je suis la bonne personne pour répondre, Emmanuel? Non, si tu dis non. Oui, si tu dis oui. Je ne suis pas vraiment impliquée dans le traitement direct des patients, donc je ne pense pas être la meilleure personne passée pour répondre. Alors, je ne sais pas si Jérôme est en ligne, Emmanuel, mais je voulais simplement dire en tant que clinicien. Oui, vas-y. Oui, je voulais simplement dire en tant que clinicien qu'il faut. Oui, je voulais dire en tant que clinicien qu'il faut se méfier, de tout ce qui a été proposé comme étant des médicaments efficaces sans preuve. Je voudrais pas indexer particulièrement la médecine traditionnelle, mais je dirais qu'en tant que clinicien, nous avons reçu pas mal de patients qui arrivaient tardivement à l'hôpital parce qu'ils prenaient justement des traitements qui naturellement n'étaient pas efficaces. Et donc, il y a eu non seulement un retard sur le plan diagnostique, mais également un retard à la sollicitation de l'équipe médicale. Et malheureusement, parfois, ça se soldait par des décès. Donc, vraiment... passer toute la journée à prendre des traitements douteux, s'administrer toutes sortes de potions pour venir à l'hôpital très tard la nuit et s'en prendre à l'équipe médicale, comme nous avons vu là, c'est ni plus ni moins de la sorcellerie. Et vraiment, nous inviterons plutôt nos populations à rester très prudents et à faire recours assez rapidement aux équipes médicales quand ils ont les premiers symptômes. Quand il y aura des traitements efficaces, eh bien, tout le monde sera forcément informé. Alors, puis-je intégrer, oui, Yolande. Je voudrais juste dire qu'Anastase a parfaitement raison. Dans une situation comme celle-ci, une population désespérée, nous sonnons l'alarme par rapport à un virus et nous ne leur proposons pas un traitement. C'est le breeding ground. C'est vraiment les conditions appropriées pour que tout ce qui est inapproprié éclos et germes et cause des problèmes. Mais je crois qu'au-delà de critiquer les collègues et les tradis praticiens et autres personnes qui ont voulu apporter une aide à la population pour une raison ou une autre, ça peut être pour des raisons lucratives, ça peut être pour des raisons sociales ou non. Mais au-delà de les critiquer, peut-être nous devrions leur donner une espèce de guide pratique de comment faire pour que votre médicament soit accepté. Parce qu'à la fin, comme dit Anastase, si le médicament a prouvé qu'il est efficace, ben nous allons l'utiliser. Mais si vous n'avez pas prouvé, nous ne pouvons pas l'utiliser. Et ce n'est pas tout le monde qui sait comment on met un médicament sur le marché. Il y a Valentin qui a expliqué tout à l'heure les différentes phases qu'il faut suivre pour l'autorisation de mise sur le marché. Et le fait qu'on peut les accélérer si on est dans une situation de pandémie ou d'urgence de santé publique, on peut le faire. Je ne suis pas en train de dire que les tradis praticiens, les potions traditionnelles, parce qu'on ne les appelle pas médicaments, ils ne sont pas des médicaments encore, jusqu'à ce qu'on sache qu'ils marchent. Mais des potions traditionnelles ne peuvent pas être utilisées sans avoir démontré, premièrement, qu'elles sont safe, qu'elles ne sont pas un risque à la population, deuxièmement, qu'elles sont efficaces, qu'elles font ce qu'on dit qu'elles font, et troisièmement, qu'elles peuvent le faire de façon générale sur la population. Donc, phase one, phase two, phase three. Nous sommes obligés de suivre ces phases-là, et tant que nous les avons pas suivies, il n'y a pas de médicaments. Donc, les médicaments miracles, ça n'existe pas, il y a une méthode pour y arriver. Nous voulons bien soutenir tous ceux qui veulent qui ont des idées, qui ont un produit, nous pouvons les aider, les guider dans la procédure de mise en place, de mise sur le marché, mais on ne peut pas court-circuiter ces procédures pour apporter des traitements à l'hôpital qui n'ont pas été prouvés être safe, sains, efficaces et puis être applicables à la maladie dont on parle.
Oui, je pense, je voudrais ajouter aussi que si Jérôme était encore connecté avec nous, il aurait certainement apporté une précision de taille, c'est-à-dire que le ministère de la Santé publique au Cameroun a une sous-direction, si je me rappelle bien, ou alors un service de la médecine traditionnelle. Donc, il n'y a pas une compétition, comme on aime bien vouloir le dire, entre la médecine moderne et la médecine traditionnelle. Le gouvernement camerounais a bel et bien toute une structure qui s'occupe de la médecine traditionnelle. Mais que ce soit la médecine moderne, que ce soit la médecine traditionnelle, il n'en demeure pas bien qu'une idée, c'est une hypothèse. C'est bien qu'on ait des idées parce que c'est des idées que découlent des innovations. Mais avant de déclarer qu'une idée, c'est une innovation, il faut la tester. Il faut tester. Yolande et Valentine ont parlé des différents procédés. Et ces procédés n'ont rien à voir avec la nationalité ou avec le continent. C'est des processus universels. En fait, je devais même dire que c'est le common sense. Personne n'investirait, par exemple, toute sa fortune sur une idée pour laquelle cette personne n'a pas un maximum d'informations et être sûr qu'il y aura un minimum de retour d'intérêt ou de retour d'investissement. Donc, c'est la même chose en médecine. Personne ne donnera un produit à sa population sans être sûr que cela, premièrement, ne va pas entraîner plus de morts que la maladie qu'on veut traiter. C'est pour ça qu'on parle de safety. Ou alors que ça va avoir un effet par rapport à cette maladie. C'est là où on parle de l'efficacité. Donc, il faut toujours tester les hypothèses qu'on a. Et le ministère de la Santé publique au Cameroun a bel et bien toute une structure en place qui travaille avec les tradis praticiens. Donc, juste pour donner cette clarification qu'en réalité, contrairement à ce que l'on puisse penser, il n'y a pas une compétition de ce côté-là. La médecine moderne, c'est la médecine moderne. La médecine traditionnelle, c'est la médecine traditionnelle. Chacune a ses méthodes et chacune est respectée dans l'environnement du Cameroun, que ce soit sur le plan politique ou alors par rapport à ce qui se fait. Moi, je me souviens que lorsque j'exerçais encore en clinique au Cameroun, je ne me souviens pas d'un malade qui est venu me voir sans aller chez le tradit praticien. Ça ne m'avait jamais posé de problème. Et je pense que c'est pareil pour chacun de nos collègues qui est ici, qui peut en témoigner. Nous n'en avons jamais fait de cas. Et vous-même, en tant que malade, je ne pense pas que jamais un médecin ait eu à critiquer un malade parce qu'il est parti chez un tradit praticien. Donc, ceci dit, la prochaine question, là, c'est, peut-on déduire que le taux de mortalité suite à la COVID en France est dû au fait qu'il y a des soins en tant que tels, pas de protocole précis, et même si les patients sont oxygénés, reçoivent un traitement à la corticoïde. Je pense que cette question interpelle un peu le professeur Mekonto. Alors, Donc, je est-ce que comprends bien le la taux de question. mortalité élevé en France est dû au fait qu'il n'y a pas de protocole de traitement précis, que les malades sont oxygénés, reçoivent un traitement à la corticoïde et ne reçoivent pas de traitement? C'est un peu ça la question. OK. Donc, ce que sous-entend la question, c'est que le traitement symptomatique ne suffirait pas. Alors, deux éléments. Donc, il y a bel et bien un protocole de soins, mais un protocole de soins qui s'est, au fil du temps, concentré sur les actions qui sont démontrées comme diminuant la mortalité, sur la base générale de ce qu'on appelle la médecine basée sur l'épreuve. Donc, au début, bien entendu, qu'on administrait de l'hydroxychloroquine, de l'azithromycine. Il y a plein de. Dans mon service, on a administré du remdesivir, etc. Au début de la pandémie, quand il n'y avait pas encore d'études permettant de savoir si c'était efficace ou pas, étant face à des malades qu'il fallait traiter, on a bien sûr fait le maximum. Et ensuite, ces molécules ont été évaluées dans des essais randomisés. Et la conclusion qui en sort, c'est que le rapport bénéfice-risque n'est pas favorable. Les actions positives qu'ils procurent n'excèdent pas les risques auxquels ils exposent le malade.
Vous êtes au courant des troubles du rythme avec la chloroquine et de l'insuffisance rénale qu'on a avec certains antiviraux. Et donc aujourd'hui, le constat est qu'il n'y a pas de traitement étiologique qui permette de freiner le virus en tant que tel. Il n'y a pas d'antiviral qui marche. En revanche, il y a des molécules qui marchent. Il y a une étude anglaise qui a démontré que les corticoïdes, en réduisant la réaction inflammatoire, réduisaient de 30% la mortalité. Et bien entendu, on sait qu'il faut donner de l'oxygène aux patients, sinon ils décèdent. Et puis, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a beaucoup de débats sur la modalité de l'administrer, mais bon, ce n'est pas le problème principal. Alors, sur la différence de mortalité, effectivement, on observe en Afrique en général, d'une part, moins de prévalence du Covid, avec un nombre de cas plus faible que dans les autres régions du monde, notamment par rapport à l'Europe et aux États-Unis, et d'autre part, une mortalité plus faible. Alors, il y a beaucoup de travaux pour essayer de comprendre cela. Il faut d'abord signaler qu'il y a peut-être des biais, notamment d'exhaustivité des cas, mais on ne pense pas que ces biais expliquent à eux seuls le fait que les cas soient si bas. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les autres hypothèses, mais celle qui me paraît la plus robuste est la pyramide des âges. Donc, il est connu, et ça, ça a été vérifié dans tous les endroits du monde, en Chine, en Inde, en Europe, aux États-Unis et même en Afrique, que l'âge est un facteur majeur, d'une part pour le risque d'acquérir la maladie, et d'autre part, et surtout, pour la gravité de la maladie. Donc, c'est un facteur d'avoir une forme symptomatique et d'avoir une forme grave menant au décès. Par exemple, on sait très bien que la mortalité de la COVID n'a rien à voir selon qu'on est âgé de plus de 65 ans ou pas. Par exemple, les derniers chiffres de mortalité annuelle en France montrent une surmortalité en 2020 par rapport aux autres années, mais toute cette surmortalité n'est expliquée que par la surmortalité des plus de 65 ans. Donc, si on voulait paraphraser, bien que le Covid atteigne tout le monde, son effet massif sur les décès, c'est surtout chez les personnes. Et quand on regarde la pyramide des âges, par exemple, de l'Europe par rapport à l'Afrique, vous savez que l'âge moyen, c'est du simple double. L'âge moyen en Afrique, il est de 19 ans à peu près, moins de 20 ans en tout cas, et il est plutôt supérieur à 40 ans, 42 ans, en moyenne dans les pays européens. Si on prend le cas spécifique, par exemple, du Cameroun et de la France, j'ai regardé ça tout à l'heure, il y a 3% des Camerounais en plus de 65 ans seulement. Donc, vous imaginez du coup que ça réduit beaucoup l'impact en mortalité de la maladie, alors qu'il y a 20% des Français qui ont plus de 65 ans. Donc, je pense que c'est l'élément, à mon avis, le plus massif pour expliquer la moindre atteinte du continent africain, c'est sa jeunesse. Merci, professeur. Je pense qu'on peut poser la question, on peut peut-être permettre aux participants, deux ou trois, de pouvoir faire des commentaires à ce point. Si vous voulez parler, est-ce que vous pouvez enlever votre micro et puis si vous voulez faire un commentaire, vous pouvez y aller. Ou poser une question. On va revenir aux questions qui sont dans le chat. Hello. Oui, hello. This is Denis Samer from Bamenda. Oui, bonjour, just a question. I want to know the presenter. I wish to know if at all there was a percentage of the cases of heart staff that were infected in that is was going to Professor Zoudier, what he presented. I mean, because here in the regional hospital Bamenda, you know, treatment center, out of 2,500, we have three staffs who died, and then 133 were infected. Thank you. Okay, thank you, Dr. Denis Samer. Dr. Denis Samer is our colleague and grateful that you can join us. He's also the director of the regional hospital in Bamenda. Anastase, tu peux bien prendre la question de Denis?
Tu m'as interpellé là, Emmanuel. Je n'ai pas bien suivi la question, s'il te plaît. Oui, oui. Dennis, can you please repeat your question? Allô? Oui, yes, okay. It's Dennis Samer. I was just saying that can you give us I'm still repeating the question. Oui, Anastase. Alors, il y a un réseau qui se coupe de temps en temps, donc je ne pouvais pas bien suivre. Oui, Dennis est en train de répéter sa question pour toi. Okay, can you get me now, Zudie? Ah, maybe he's not yet connected. His line is on off. Yes. Dennis, why don't you send your question on the chat? We will definitely make sure that we address it even on our next webinar so that Anastase can be able to respond to your question. Okay, Emmanuel, I will do that. Okay. Do we have another participant to have a question or a comment? Oui, j'ai une question. Jean-Marie Talley. Oui, vas-y, s'il te plaît, Jean-Marie. Oui, c'est une seule question rapidement. Félicitations déjà à vous tous pour ce que vous avez fait, ce que vous êtes en train de faire, en comptant sur la suite. Alors, ma question, c'est à la suite de ce qu'a dit le docteur Armand Mekonto, alors qui a beaucoup acté ou accentué sur la jeunesse africaine pour expliquer le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cas en Afrique, proportionnellement parlant. Alors, on parle beaucoup de la vitamine D, parce qu'il y a beaucoup de soleil là-bas, et que ce serait peut-être la vitamine D aussi qui serait une des raisons. Est-ce que c'est vrai ou pas? Armand, tu veux bien prendre la question, puisqu'elle est dirigée vers toi? Il y a beaucoup d'hypothèses, oui, y compris la vitamine. Il y a d'autres hypothèses sur le fait que les populations africaines sont peut-être exposées de manière endémique à certains coronavirus. Donc, je n'ai pas voulu rentrer dans tous ces détails parce que il n'y a pas d'études robustes qui valident chacune d'entre elles. Et le seul élément un peu factuel qu'on ait, c'est quand même la grande différence d'impact de cette épidémie en fonction de l'âge des gens. Et c'est pour ça que je pense qu'à la fin, quand même, les pays qui vont payer le plus lourd prix auront en général, du coup, la proportion des personnes âgées est la plus importante. Et c'est pour ça que vous voyez des bas sur est-ce qu'il faut auto-confiner les personnes âgées, etc. Bon, le plan moral et politique sont assez difficiles, mais ce que nous on observe, en tout cas à l'hôpital et en réanimation, c'est que bien sûr ça touche tout le monde, il y a aussi des gens jeunes à l'hôpital et en réanimation, mais majoritairement c'est quand même les gens qui ont les formes les plus graves ont typiquement plus de 65 ans. Merci. Merci, Armand. Et à la suite d'Armand, Jean-Marie, notre conférence audiovisuelle du 14 février sera essentiellement focus sur la prévention du COVID-19. Et on va revenir sur cet aspect de la particularité de la présentation épidémiologique de la maladie en Afrique. Donc, c'est un sujet sur lequel nous allons revenir en détail. D'accord. Je voulais profiter, juste si tu permets, docteur Emmanuel, je voulais juste profiter pour dire que là, on parle du COVID parce que c'est d'actualité maintenant et que ça fait beaucoup de dégâts, mais il y a d'autres maladies qu'on ne peut pas oublier. Le palu, comme j'ai posé la question là sur le chat, si vous pouvez y penser, ce serait très intéressant que l'information, comme ce que vous faites là, ce qui est très, très louable et surtout à féliciter, que ça parte un peu à travers le monde pour qu'on arrive à combattre ça, parce que ça fait beaucoup de dégâts et on n'en parle pas beaucoup. Donc, s'il vous plaît, saisissez tout ça, le palu, l'hypertension, le diabète, les AVC, tout ce que vous connaissez. Merci encore infiniment et félicitations. Courage à vous tous. Non, merci Jean-Marie. Je pense que le commentaire est très bien noté et on va définitivement y penser. Je dois même dire qu'on le fera, pour être plus précis. Ne parlons pas comme des politiciens, on le fera. Merci beaucoup. Courage, merci. Et merci Armand, et courage encore. Un autre commentaire? Alors, je voulais juste mettre un bémol à ce que Armand a dit. Et je voulais juste dire ici que
Oui, il y a la jeunesse de la population qui explique une bonne partie de la pandémie et oui, des différences de mortalité, de morbidité, mais il faut se rappeler qu'on a un sérieux problème de collecte de données et qu'il faut rester très vigilant. Il est très probable qu'il y ait une mortalité, une morbidité sous le radar qu'on n'est pas en train de détecter et qui va nous rattraper plus tard quand on se retrouve avec soit des complications, soit quand on prend du recul et qu'on revoit nos données et qu'on se rend compte qu'il y a eu un taux de mortalité bien plus élevé que ce que nous rapportons maintenant. Donc, c'est juste pour mettre ce bémol et j'ai essayé une comparaison très simple. Je regarde le Cameroun, je regarde le Guatemala, qui est un pays relativement comparable. Je regarde l'Équateur, qui est un pays relativement comparable. Vous voyez, j'ai mis tout le monde au niveau de l'Équateur. Donc, on reçoit à peu près la même quantité de soleil. Et donc, le vitamine D, à propos, la peau noire absorbe moins bien le soleil que les peaux un peu plus claires. Donc, la production de la vitamine D est vraiment équivalente entre les deux. Et la différence de mortalité reste le Guatemala, je crois, à 4% du taux de mortalité, essentiellement parce qu'il s'occupe essentiellement, il reporte surtout des cas hospitalisés. Le Cameroun a 1,7%, le Rwanda est 0,9%. Et on se dit, bon, on espère que c'est le système de santé publique qui a peut-être marché au Rwanda. On espère que la jeunesse de la population camerounaise explique tout ça, mais on a bien peur qu'il y ait des choses qui sont en train de se passer sous notre nez, sous le radar, et qu'on ne soit pas au courant. Donc, restons vigilants par rapport à ça. Alors, merci, Yolande. Je vais être un peu sensitif à l'aspect du temps. On va déjà à presque 4 heures de discussion. Le sujet est très intéressant, ça se voit, parce que nous avons encore 46 participants qui tiennent le coup. Mais je crois qu'on ne va pas aussi exagérer de leur temps, surtout pour nos amis qui sont du côté du Cameroun et du côté de l'Europe, parce que là-bas, il est déjà un peu tard dans la soirée. Comme je l'ai dit, ce n'est que la première conversation, ce n'est que le premier webinaire d'une série. Et ceux qui ont posté les questions dans le chat, ne soyez surtout pas découragés, ne pensez pas qu'on ne veut pas répondre à vos questions. Ils sont très bien notés. Ce qui est bien avec la technologie, c'est qu'à partir du moment où vous l'avez posté, ça ne peut pas disparaître. Donc, on y reviendra dimanche prochain. Dimanche prochain, notre séance va commencer à 16h du Cameroun. Et il va se pencher beaucoup plus sur le vaccin anti-COVID. Le dimanche 14 février, ce sera sur la prévention. Et le 21 février, ce sera sur la prise en charge. Après ces premières séances, on va réévaluer. On aura certainement une séance qui va aborder des aspects moins médicaux. Parce qu'il faut aussi penser à la prise en charge psychosociale. Il faut aussi penser à l'impact économique, à tout ce qu'une pandémie peut apporter comme conséquence dans nos familles, dans nos communautés, dans nos villages, dans nos villes, dans notre pays. Donc, on va inviter des amis qui ont les capacités à pouvoir nous aider à mieux comprendre tous ces phénomènes-là. On va aussi les aborder. Et lors du 5e et le 6e rencontre qu'on aura par rapport au COVID-19. Ce que je voudrais ajouter, c'est que voici l'agenda du prochain webinaire sur la vaccination. J'aurai le plaisir d'être rejoint par notre collègue André-Pascal Kenyé, professeur Kenyé, qui est du côté de l'Afrique du Sud, et on aura un panel. Vous avez déjà pu vous rendre compte de tout ce que Valentine peut nous apporter comme information par rapport au vaccin. On va lui permettre d'étoffer un peu plus sa présentation sur le vaccin. Le professeur Kedi Mangaba Daniel, directrice de l'hôpital des disciples de Dedo, va un peu nous parler de l'impact de cette maladie sur le programme élargi de vaccination de routine dans son hôpital. Et puis, on aura un panel
assez conséquent avec des pédiatres, gynéco-obstétriciens, le professeur Evelyne Ma, qui est vice-doyenne de la faculté de médecine, mais aussi chef de service de pédiatrie de l'hôpital gynéco-obstétrique de Yaoundé, avec son collègue Christophe Akazon, qui est au service de pédiatrie de l'hôpital général de Douala. Ils vont un peu aborder les aspects de vaccins anti-COVID chez les enfants et du COVID-19 chez les enfants. Le docteur Jean-Jacques Fondop, qui est au Canada, va nous parler un peu des vaccins anti-COVID chez les femmes enceintes. Et quant à ce qui est de l'impact de la pandémie, au niveau d'une région comme la province du Sud-Ouest au Cameroun, le délégué régional de la santé publique du Sud-Ouest, le docteur Ebongo Zakeus, va un peu nous faire l'honneur de nous en parler. Et bien sûr, on va faire revenir Yolande, qui a accepté de bien vouloir nous faire comprendre pourquoi est-ce que tout ce qu'ils vont dire, comment est-ce que c'est lié à la biologie. Donc, on aura un panel conséquent dimanche prochain pour discuter du vaccin. Apprêtez vos questions. On va essayer cette fois-là d'être dans les temps, que ce soit pour commencer et pour finir. Je sais qu'entre nous Camerounais, généralement, le retard n'est pas trop un problème sur le plan culturel. Mais bon, essayons, étant donné qu'on a des participants qui se joignent des quatre coins du globe, essayons de nous connecter à temps, comme ça on essaye de commencer aussi à temps pour qu'on puisse avoir cette conversation sur une période de 2 heures et ne pas excéder ce temps-là. Quelqu'un a demandé les références et Roger a abordé l'aspect de est très important de savoir là où vous prenez les informations. Ça, c'est juste quelques sites, hein. Ce n'est que des indications. Ce n'est pas pour dire que c'est les seuls sites qui ont des informations véridiques, mais je vous encourage de consulter le site Internet de l'OMS. Ils ont toute une page dédiée au coronavirus. Et vous pouvez aussi consulter le site Internet des universités. J'ai cité juste deux, l'Université de Emory et l'Université de Johns Hopkins. Emory à Atlanta aux États-Unis et Johns Hopkins à Baltimore. Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis. Peut-être citer les deux parce que je suis un peu émotionnellement attaché aux deux. Mais bon, ce ne sont pas les seuls. Les données que j'ai présentées dans ma présentation viennent du site Our World Data. Ils font un travail fantastique de traitement, d'analyse des données en temps réel. Ils collectent des données qui viennent de tous les pays et ils ne font pas simplement la mise en forme de ces données en termes de database, mais ils font aussi des analyses et ils présentent des visualisations fantastiques. Tous les graphiques que j'ai présentés, en fait, viennent de ce site. Vous pouvez les consulter. Ils sont assez simple dans les explications pour que vous puissiez un peu voir ce qui se passe au jour le jour et c'est update en temps réel. Et puis aux États-Unis, le CDC a aussi une page web et je n'ai pas consulté, mais je suis convaincu que le ministère de la Santé a aussi tout un ensemble d'informations. La semaine prochaine, on va essayer de vous les fournir dans le contexte camerounais. Mais au moment où on commence ces webinaires, nous allons aussi constituer une base de données de toutes ces informations. Nous allons poster ces webinaires, l'enregistrement, mais aussi les vidéos. Nous allons les mettre sur la page Facebook et YouTube de Le Grain. Ce sera communiqué dans les groupes WhatsApp de Alimbo et de Le Grain. Et ces informations seront simplement à votre disposition pour être utilisées. Si vous avez des questions, vous pouvez envoyer vos messages à cette adresse email. Et bien sûr, je suis sûr que les conversations vont reprendre de plus belle dans nos différents forums sur les réseaux sociaux par rapport à ces sujets. On espère simplement que ce qu'on aura discuté aujourd'hui va un peu avoir un impact sur la qualité des conversations qui vont se dérouler à partir de maintenant. C'est pas Roger, est-ce que tu voudrais conclure pour nous tous? Alors, excusez-moi,
Je suis tellement resté longtemps, je crois qu'il faut boire quelque chose. Je ne me suis pas levé de mon siège depuis 4 heures. Quelle conclusion? D'abord, remercier tout le monde, remercier Yolande que je ne connaissais pas, Christelle, Valentine, Mesmin, je ne sais pas si finalement il s'est connecté ou pas, Anastase, et bien sûr Armand que je trouve l'occasion ici de revoir. Je pense que c'était une très bonne idée, Emma, quand tu m'avais appelé pour me demander comment est-ce qu'on pouvait faire pour organiser quelque chose. D'abord, pour nos amis dans les groupes de discussion, où, comme je le déponissais tout à l'heure, on était en train dans une sorte de conflit où on ne se comprenait plus du tout. Nous, on a été formés, et ça, c'est quelque chose que je ne sais pas si nos amis sont encore là ou pas. La médecine, nous, on est formés, on a des bases scientifiques, certes, mais comme on travaille dans un environnement, et vous le savez tous, que ce soit nos amis qui sont au Cameroun, nous qui sommes ici en France et ceux qui sont aux États-Unis, la médecine, par la suite, dans la pratique, ne s'exerce que de façon individuelle et même culturelle. Et donc, les gens, ils s'attendaient à ce que... Et d'ailleurs, c'est un ami ingénieur qui m'avait appelé pour me dire que mais non, les gens ne vous comprennent pas du tout, que ce soit la conclusion ou de tout ce que vous nous dites sur le Covid, parce que quand un ingénieur vous dit « je fabrique cette lampe pour qu'elle fonctionne en appuyant sur le bouton, ça donne la lumière ou ça ne donne pas ». En médecine, ce n'est pas comme ça comment les choses se passent. Nous, on a toujours navigué entre le gris. En médecine, ce n'est pas noir, ce n'est pas blanc. On a l'habitude des staffs, on discute pour prendre des décisions. Quand tu m'avais proposé donc qu'on s'asseye pour discuter avec nos amis comme ça, pour essayer de nous entendre entre nous, parce que certains, ils sont allés jusqu'à penser que nous, la façon de leur présenter le problème, c'était, je n'arrive pas à trouver l'expression claire, ils avaient l'impression qu'on se mettait au-dessus, qu'on ne les écoutait pas, parce qu'on n'arrivait pas à faire des choses. Mais je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on peut expliquer les virus aux gens, à des amis, et qu'ils comprennent comment les virus sont. On ne pouvait pas à la fois leur expliquer les virus, leur expliquer comment ça se transmet, leur expliquer les médicaments, au moment où nous-mêmes, on n'arrivait pas à trouver le virus, à trouver le diagnostic, à nous entendre sur la propagation, sur l'origine, sur tout ce qui nous arrivait, et comme on l'a vu, avec une propagation derrière les idées politiques, les théories complotistes et tout le reste. Je pense qu'on pose les bases de quelque chose de magnifique, de quelque chose qui nous permettra, comme tu as dit tout à l'heure, à la fois de constituer une base de données, mais même de répondre à des sollicitations médicales entre nous, par chacun dans sa spécialité, dans les domaines qu'ils connaissent. Le seul fait d'avoir pris du temps pour faire ce travail, je ne suis pas communicant du tout, je ne sais pas comment a été ma présentation, mais je n'en ai rien. En fait, je me suis débrouillé comme je pouvais pour vous exprimer les choses telles que je le voyais et comme je le ferais si peut-être j'avais été journaliste. Donc, c'était très, très bon exercice. Je félicite beaucoup tous les panélistes. Je serai en poste, malgré tout ce que j'ai à faire la semaine prochaine à l'heure pour les vaccins, parce que, comme je l'ai dit au début de ma présentation, les fausses informations sont telles que ça peut nous prendre des années à pouvoir les démorceler, parce qu'à chaque étape, ça c'est parti dans un système complètement en vrille, comme on dit dans le langage vulgaire. Donc, c'était très, très bien. C'était une excellente initiative. Je remercie profondément tous les participants, tous les panélistes. Et j'espère que progressivement, les gens, on prendra le goût de régler d'ailleurs pas seulement les problèmes médicaux dans les groupes de discussion où nous sommes, mais tous les autres groupes, parce qu'on a des ingénieurs, on a des médecins, on a des pharmaciens, on a des économistes, on a des problèmes. Et les choses vont tellement vite qu'on ne comprend plus rien du tout. Si on ne se réorganise pas comme nous, on est en train de le faire, à la fois pour porter un regard, parce que je pense que le fond de la discussion, j'ai eu la question, j'ai vu qu'il y a quelqu'un qui a posé la question de Bamenda, c'est la seule ville où j'ai travaillé, vous voyez, avec les moyens que nous, on a aujourd'hui, on peut discuter avec quelqu'un qui est à Dallas, certains à Atlanta, c'est lui qui est à Bamenda. Je pense qu'on pourra aborder tous les autres problèmes, que ce soit les problèmes, comme je l'ai dit, d'ingénierie, les problèmes dans d'autres domaines, on peut faire ça, et c'est aussi l'avantage que nous offre aujourd'hui la technologie, donc c'est vraiment quelque chose de très très enrichissant pour moi. Donc je vous félicite encore et comme tu le disais, il est 22h. Merci beaucoup et très très à très bientôt pour tout le monde. Au revoir. Okay, bye bye everyone. Au revoir, merci. Ouais, merci.